J'espère que vous allez bien. Bon, je vous retrouve en moitié habillée, moitié pilou-pilou, puisque clairement, il caille. Je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais clairement, il fait super, super, super froid. Donc, j'ai sorti le pilou-pilou pour scraper. Allez, hop, on va continuer aujourd'hui le tuto. Donc, vous voyez, il est juste ici. On va essayer de faire déjà une première page. Et si je vois qu'il ne dure pas au moins 40 minutes, eh ben, on fera la deuxième. Donc, celle-ci. Et après, il nous restera plus qu'un tuto pour terminer. Voilà notre petit album. En tout cas, je le trouve trop, trop, trop canon. Allez, c'est parti. Et je vous dis des bêtises puisque il en restera encore une comme ça qu'il faudra qu'on fasse également à part. Alors là, j'ai mis plein de petites choses de côté. Voilà, donc hop, on va déjà avoir besoin de ceci et de ceci. Voilà, tout simplement. Donc vous allez comprendre. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais venir retailler ce morceau-là, puisque je vais faire une pochette, cette fois-ci par en bas. Donc, pour que ça soit bien droit, hop, voilà. Je me suis mis vraiment, voilà, droite. Comme ça, moi, je peux récupérer déjà une partie bien, bien droite. Donc, comme ça. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre de la colle en bas, juste ici. Donc, je vais marquer juste un petit... hop, je ne sais pas où en mettre de partout tout. Voilà, je vais me faire un petit repère ici. Bien sûr, ce stylo ne marche pas. Et un repère ici. Comme ça, au moins, je sais la colle jusqu'à où il faut que j'en mette. Donc, hop, je vous rappelle. Là, vu qu'on fait une pochette, on en met bien autour là. On continue d'en mettre ici. Voilà, tout simplement. Et là, je vais venir appliquer ce côté ici. Donc là, j'ai mis beaucoup de colle. Donc, je vais prendre directement, hop, ici. J'appuie. Hop. Voilà, comme ça. Là, du coup, je vais avoir une grande pochette. Donc là, vous pouvez mettre plein d'emplacements. C'est ça qui est trop bien. Là, vous avez plein, plein, plein de place. Ici. Comme ça. Et on enlève. Et là, du coup, maintenant, on va prendre notre cutter. Alors, comme je vous avais dit, il y a des cutters rotatifs, par exemple, comme celui-ci. Hop, voilà. Je ne sais pas si ça sera mieux ou pas. On va tester, hein. Hop là. Je suis pas très douée, moi, avec les lames comme ça qui bougent. Ouais, c'est pas trop mon truc. Non, je vais pas. Voilà, moi, j'y arrive pas. Je sais pas comment vous faites, mais moi, j'y arrive pas du tout. Voilà, je préfère faire avec ce que j'ai l'habitude de faire. Voilà, hop. Ici. D'ailleurs, j'ai débouché ma colle puisqu'elle était bien, bien, bien bouchée. Hop là, ça, poubelle. Là, en bas, c'est bon. J'ai juste ici, vous voyez. Hop. Comme ça. Et là, du coup. On continue. En tout cas, franchement, il vous plaît énormément cet album. Et encore, vous n'avez pas vu ce que j'ai rajouté. Voilà, j'ai rajouté deux petites choses. J'ai commencé voilà, à faire des petites choses en plus. Donc voilà pour en bas. Et j'espère qu'il va vous plaire. Et on va prendre cette fois-ci. Là, je n'ai pas pris dans les chutes, puisqu'en plus, figurez-vous que j'ai retrouvé, en fait, dans mon atelier, la même collection. Donc, étant donné que je ne savais pas si j'allais avoir assez de papier, eh ben, j'ai, comment dire, j'ai fait une petite marque, hein, sur le papier, en même temps que je vous parle. Eh ben, j'ai pris des nouvelles pages. Voilà. Hop, moi, là, cette fois-ci, je veux le haut. Ici. Bon, par contre, le Merry Christmas, malheureusement, ben, il va, comment dire, je vais essayer de le mettre comme ça, mais je pense que ben, ça, il n'y sera pas. C'est pas grave. C'est pas grave du tout, du tout, du tout. Ouais, c'est pas grave. Moi, j'avais envie d'avoir le haut comme ça. Donc là, maintenant, par contre, je mets de la colle de partout. Hop, ici. Donc voilà, ouais, quand j'ai vu qu'il me restait de la collection, je le savais que j'avais ces papiers-là. Donc du coup, je me suis dit, oh, trop, 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 trop bien. Bon, vous voyez, j'ai mis de la colle de partout. Hop, mais même, vous savez quoi, on va faire comme ça. On va récupérer les fleurs ici. Alors bien évidemment, vous voyez, là, il y a de la colle. Il faut que de suite, j'enlève la colle. Voilà. Et je mets ça au moins. Voilà, ça ne colle pas. Bon, ben là, on n'aura pas tout entier, mais ce n'est pas grave du tout, du tout, du tout.
Voilà. Hop. Et maintenant, eh ben, on va couper. Mais quand j'ai vu tous les retours qu'il y avait, j'étais trop contente d'avoir des retours comme ça, que ça vous plaise. Franchement, ça me fait super plaisir. Après, vous voyez, c'est donné à tout le monde. Tout le monde peut le faire. Bon, là, j'ai un peu coupé le bois. C'est pour ça que je vous dis de faire attention. Hop, j'enlève au fur et à mesure parce que... Puis figurez-vous que tout à l'heure, j'avais Liana qui jouait dans ma poubelle. Puisque ma poubelle, c'est un sac qui m'a été offert par une amie. Et en fait, je m'en sers normalement, c'est un sac de course. Mais moi, je m'en sers pour mettre tout à l'intérieur. Puisqu'après, je trie ce que je peux faire brûler à la cheminée, etc. Et puis, mademoiselle Liana, eh ben, elle était dans le sac. Voilà, elle avait sorti tout ce qu'il y avait dans le sac. Bon, j'avais vidé le sac en début de semaine. Et du coup, j'étais dégoûtée. Bon, ça, clairement, je ne le garde pas. Et là, vous voyez, par contre, j'ai très mal découpé. Voilà. On est sur le côté. Hop. Et voilà. Bon, ben ça va. On voit quand même un petit peu. Là, je vais venir ancrer. Hop, comme j'ai fait de l'autre côté. Donc là, on a notre pochette. Et là, je vais venir ancrer. Et là, on va juste mettre des petits espaces photos à l'intérieur de la pochette. Hop. Voilà. Ici, comme ceci. Là, moi, j'avais bien envie, par contre, de mettre... Hop, faut que je voie parce qu'il y en a deux plus grandes et deux plus petites. Hop, allez. J'avais bien envie... ben, on va les mettre en bas. Ça va changer un petit peu, donc je vais les mettre en bas. Je vais les mettre du côté où on voit un peu moins les traces de brûlure. Voilà, donc moi ma colle, elle est après transparente, hein, ne vous inquiétez pas, je mets des petits points de colle par-ci, par-là, hop, ici, c'est pas une grosse décoration, c'est très épuré, et là du coup avec, j'ai coupé un morceau, donc que vous allez couper en deux, et c'est les espaces photos classiques comme tout le reste. J'ai fait des espaces photos de 11 par 8 cm. Donc là, j'ai pris hop, 16 par 11 pour faire un petit livret et deux espaces photos, pareil, de 8 par 11. Et étant donné que maintenant, j'ai plein de cartes, eh bien, on va pouvoir mettre plein de cartes. Je vais en mettre une ici. Je vais mettre une comme ça et une comme ça. Allez, hop, plutôt celle-ci. Et il en aurait fallu... Allez, une comme ça pour être vraiment dans ces tons. Puisque bah, du coup, des cartes, j'en ai encore une planche complète de la collection que j'avais déjà. Donc ça, c'est trop bien. Donc là, hop, on met bien sur la colle directement. Donc là, dans la pochette, ici, eh ben, on peut venir déjà mettre cet emplacement photo. Après, voilà, vous pouvez rajouter encore... Plein de choses. Et d'ailleurs, vous allez voir que là, je vais rajouter tout de suite quelque chose après. C'est un petit détail, mais un petit détail qui est, ma foi, je trouve très joli en termes de rendu sur le bois, vous allez voir. Alors, me demandez pas du tout où c'est que je l'ai acheté. D'ailleurs, j'ai vu que dans un tuto, enfin, je vous le dis à chaque fois que ça vient de la boutique Scrap Color et qu'il y a les liens en descriptif de vidéo, mais non, sous une vidéo j'ai encore une personne qui m'a dit mais de où ça vient, alors que bon, je le dis à chaque fois. Je vais prendre ceci, le Spectrum noir. C'est tout simplement un un stylo comment vous dire, à paillettes, voilà, donc ça fait des paillettes. Donc sur les découpes bois, eh ben, j'en ai mis de partout, vous verrez ça la présentation de l'album. Et d'ailleurs, j'ai fait aussi autre chose. Voilà. Bon, par contre, après, laissez bien sécher. Je ne sais pas si vous verrez bien. J'ai essayé de ne pas mettre les éclairages aujourd'hui. Hop. Pour que... Comment ça s'appelle ? Que vous voyez quand même un petit peu mieux. Donc, je verrai quand je vais faire le montage si c'était mieux avec les éclairages. Aujourd'hui, il ne fait pas très beau, mais on y voit quand même un petit peu. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Hop. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc voilà, c'est le petit détail que j'ai rajouté en plus. Donc du coup, pour cette page, c'est bon. On a fait une petite pochette. Alors après, vous pouvez encore, par exemple,
mettre du Merry Christmas ici en ruban, et ben vous savez quoi, on va faire une petite bande, voilà, pourquoi pas. Après vous faites vraiment ce que vous souhaitez, vraiment là c'est comme vous voulez, hop ici, comme ça au moins ça délimitera bien la pochette. Je vais prendre cette fois-ci mes petits ciseaux ici et on va couper ici, voilà, j'ai pas bien coupé. Comme ça. Ici. Voilà, ça va bien délimiter. J'enlève la trace de colle. Et voilà. Du coup, pour ce côté, c'est bon. J'espère que vous verrez bien. Puisque si j'allume la lumière, ben, c'est encore mieux. Vous voyez? Hop, comme ceci. Et maintenant, derrière, par contre, je vais prendre une page complète. Donc, je vais prendre celle-ci. Voilà, derrière, elle est avec les fonds bois, comme ça. Donc, ben là, hop, ce que je vais faire, c'est qu'avant toute chose, pour pas être embêté après, je vais faire les petits trous pour l'autre côté, voilà, tout simplement ici. Ça, pensez vraiment bien à le faire. Donc voilà, les petits trous, même s'ils sont pas parfaits, je vais redonner un coup derrière. Et là du coup je vais mettre de la colle de partout, hop là. Du coup, comme ça, hop, je vais faire comme ça et je retourne, hop, pour éviter du gaspillage de papier. Je vais tâcher, voilà, là que je suis parfaite, là c'est bon, un petit peu, voilà, parce que j'ai pas envie de gaspiller du papier, ce papier est tellement beau. Et puis ben là, hop, dans les arrondis, je galère un petit peu à chaque fois, mais c'est normal, c'est les arrondis. Donc ici j'ai guère à couper, voilà, un petit peu, il me tardait de pouvoir continuer l'album. Hier c'était mercredi, donc qui dit mercredi, hein, vous le savez, je fais pas de vidéo le mercredi puisque ben, j'ai les enfants à la maison. Puis ben, du coup hier je me suis un petit peu reposée, puis en plus Léna n'a pas voulu faire la sieste et tout, donc ça a été un peu catastrophique hier la journée. Et aujourd'hui je me disais, oh là là, vite cet après-midi que je puisse filmer. J'avais super hâte de pouvoir le continuer. Bon là comme je vous ai dit, les tutos vous n'allez pas les avoir à la filée, hein. Vous les avez un petit peu... Je laisse jamais 3 jours entre chaque tuto. Là, celui-ci, je ne sais pas exactement quand c'est que vous l'aurez. Mais fin de semaine prochaine, il sera terminé. Ça, c'est sûr. Voilà, tout simplement. Donc, regardez. Hop, quand on, c'est bon. Je vais marquer les petits trous. Maintenant, puisque ben, ça, c'est bon. Hop, on appuie bien. Vraiment, s'il y a quelque chose que je vous conseille d'acheter, c'est les Crocodile. Il y en existe des comme ça et des plus petites, parce que ça, c'est que ça fait au moins 10 ans que je l'ai et franchement, trop bien. Allez, on va ancrer derrière et puis après, on va faire nos petits espaces photos. Vous voyez, cette page, elle sera déjà terminée. Alors après, vous pouvez bien ancrer. Moi, je pense qu'à la fin de l'album, je viendrai bien faire les arêtes sur les côtés, parce qu'après, c'est une question de goût. Après, vous n'êtes pas obligé d'ancrer. Moi, je préfère... ancré. Ça évite qu'on voie le blanc en plus du papier quand on le coupe. Et j'ancre avec la Stamperia, donc celle-ci. Allez, et maintenant, du coup, on va avoir besoin de ça, tout simplement. Donc ça, ici, c'est un espace photo classique. Là, j'ai pas fait les petits, vous savez, les petites encoches là qu'on fait pour les photos. Voilà, personne, elle viendra mettre sa photo comme elle veut. Hop, ici. C'est juste pour montrer qu'il va avoir des espaces photos. Donc, un ici, comme ça. Et celui-ci, je vais le mettre là, puisque, hop, on va venir mettre cette découpe par-dessus. Alors, celui-ci, par contre, vous allez voir, je vais le coller entièrement. Mais par contre, la découpe bois, je ne vais pas la coller entièrement. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Ici, j'essaye de la mettre au milieu. Voilà, comme ça. Je vais la mettre du côté, ben, celle-ci. Voilà, tout simplement. Et en fait... je vais venir mettre un petit peu ici, comme ça.
Voilà, je vais prendre deux petites bandes. Et en fait, je vais le mettre un petit peu, comment dire, en volume. Pourquoi ? Au moins, on pourra glisser la photo. Oui, j'essaye de penser un petit peu à tout. Je ne vais pas mettre un gros morceau. Donc là, déjà, vous voyez, en bas. Du moins, j'espère. Oui, vous voyez. Je regarde jamais le retour d'écran. Et des fois, je ne filme pas au bon endroit. Ici, on va en mettre un comme ça. Petit, ça sert à rien d'en mettre un trop gros. Et là, je vais en remettre un en bas. Alors, faites attention. Je coupe. Je coupe, on fait très attention à vos doigts. Ici. Voilà, tout simplement, on n'aura plus qu'à glisser la photo. Et là, je vais juste mettre de la colle. Voilà, ici. Tout simplement. Et là, hop. Comme ceci. Hop, j'ai bougé, hop, j'ai bougé. C'est pas grave, la colle, elle va couler elle va sécher transparente, comme je vous l'ai dit. Hop, alors on appuie bien le temps que ça prenne. Vous voyez, ça fera un espace. Je ne sais pas si vous le voyez, on pourra passer la photo. Donc du coup, pour cette page, eh ben, c'est terminé. Regardez-moi cette découpe, comme elle est magnifique. Donc derrière, on a mis un petit peu du bois ici. Ici, comme ceci. Donc cette page là, moi du coup je vais pouvoir venir la mettre déjà dans l'album. Ici, vous allez voir que j'ai mis la fausse neige en bas. Là, on a juste à ouvrir l'album. Hop, comme ça. Et on met notre page à l'intérieur. Hop, alors moi ce que j'aime bien faire, c'est les fermer au fur et à mesure parce qu'ils se font la malle des fois. Ici, voilà, comme ça. Et comme ça, donc du coup, hop, je mettrai moi la fausse neige en bas. Et je sais pas si vous voyez, regardez les paillettes. J'en ai mis aussi sur le cerf. Donc du coup, cette page, elle est terminée. Vous voyez, commence à prendre vraiment de l'ampleur mon album. Hop, déjà, et franchement, je l'adore. Et maintenant, eh ben, on va continuer. Hop, on va faire cette deuxième page. Donc là, on avait fait une pochette. Donc on va reprendre cette fois-ci une grande page. Moi, j'ai envie de prendre ce vert-là, ou non, vous savez quoi, on va prendre en bas. Allez, on va prendre en bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette bande, déjà. Puisqu'en général, je ne suis jamais droite et je coupe dans le blanc. Donc, je vais couper la bande, ici. Et moi, je veux en bas, vous voyez, avec ça, là, j'aime beaucoup. Alors là, par contre, j'ai pas préparé mes papiers puisque je ne savais pas les chutes que j'allais avoir. Donc, ben, du coup, on va préparer ensemble, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, hop, je remets de la colle de partout. Attendez, je suis en train de réfléchir parce que je fais peut-être une bêtise. Donc là, eh ben, écoutez, on va attaquer par le derrière. Parce que vous voyez, là, hop, c'est ce qui va aller derrière. Voilà, dans ce sens. Eh bien, écoutez, c'est pas grave, on aura deux endroits où on aura les poches, on aura deux pages pleines, c'est pas grave. Ça, c'est pas bien grave. Ça, c'est pas bien grave qu'on ait deux pages avec des fonds entiers. Voilà, moi, ça me dérange absolument pas. Hop. Donc, voilà, et derrière, on fera comme une pochette. J'ai une idée. Encore une fois, ce que je fais, c'est pas très très compliqué. Hein. De toute façon, je ne voulais pas faire un tuto compliqué. Je voulais vraiment faire un tuto pour toutes les personnes qui attaquent le scrapbooking. Vous pouvez largement le faire. Vraiment, faire juste attention au cutter, tout simplement. En même temps, je ne mets pas mes doigts là hein, quand je coupe. Hein. J'aimais bien le vert, mais je vous avoue que le fond de derrière, je le préfère quand même. Hein. Hop. Je défais petit à petit. Hop. Après, voilà les petites chutes. Hein, vous pourrez faire... des cartes avec des chutes de papier. Voilà, vous en faites ce que vous voulez après. Puis après, moi, je vous montre ça, mais vous avez d'autres possibilités. Vous pouvez faire d'autres emplacements photos. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, vous voyez ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer directement. Puis, les deux à côté, franchement, vont être très jolis.
Là, j'avais bien envie de faire une composition de plusieurs papiers, bon, sans rabat ni rien. Je vais voir un peu ce que je vais pouvoir faire. On va voir ça ensemble. Donc, ce que je vous disais, c'est que vous voyez, là, c'est ce qu'on vient de faire ici. Ça fera deux pleins à côté, mais moi, écoutez, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, j'aime beaucoup aussi. Et en plus, le papier, vraiment, il se suffit à lui-même. Hop, là, on n'oublie pas. On perce directement, comme ça. On est tranquille. Hop. Ici, comme ceci. Voilà, on a bien marqué nos trous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, vous savez quoi? On va prendre le massicot et on va prendre du corail. Je vous rappelle, c'est ce kit-là. Pour ceux qui arrivent juste, j'ai oublié de vous le rappeler. Bon, là, j'ai plein de chutes. Hein, mais vous voyez, plein de chutes, c'est des toutes petites chutes. Alors, déjà, on va prendre des morceaux qui vont faire 11 cm. Donc, on va couper comme ça. Comme ça, on économise un peu notre papier. Et sur 8 cm. Donc, déjà, je vais en faire deux. Et on va voir. J'essaye d'avoir au moins deux espaces photos sur chaque feuille, sur chaque page. Moi, j'aurais bien mis cette fois-ci, en fait, ce que j'aurais aimé, vous voyez, c'est faire une compo dans ce style-là. Hop là, ici et ici. Mais le problème, c'est que si je fais ça, je vais devoir coller. Ouais, mais ça va embêter, en fait. Hop, il n'y a que si j'arrive à faire trois espaces photos, mais j'y arriverai pas parce que là ça passe pas et je veux vraiment pas faire plus petit. Hop, non, là après on voit plus les papiers. Ben écoutez, on va faire un comme ça ici et on va reprendre je réfléchis. Le problème, c'est que après, j'ai peur que ça me gâche trop le papier dessous et qu'on ne le voit plus assez. J'essaie de regarder par rapport à l'album que j'ai fait. Ici comme ça. Après, ce qu'on pourrait faire, déjà, c'est... Hop. Je veux deux espaces que je ne me servirai pas. Donc, un bois et un bleu. Hop, pour rappeler l'autre côté. Allez, on va prendre ces deux-là. Donc déjà, je vais mettre de la colle. J'essaye de réfléchir en même temps. Mais je pense que je vais faire deux espaces photo classiques là. Je pense. Je vais regarder dans mes découpes bois. Mais bon, mes découpes bois, il faut que je fasse attention puisqu'il m'en faut encore pour toute la fin de l'album. Et là, j'en ai déjà mis de chaque côté. Donc, je ne veux pas trop en mettre puisque vous voyez, il ne me reste plus que ça. Je vais vous montrer. Donc là, je ne vais pas en mettre sur cette page-là puisqu'il y en a déjà un sur juste avant. Donc ça, je vais les garder. Donc, je vais travailler sans découpe. Mais je pense que ouais, je vais juste faire comme ça. Ouais, on va faire une page... allez, on va faire une page classique. C'est pas grave. Puisque j'ai pas envie de faire de rabat, etc. Moi, j'aime bien comme ça. Hop. Puis le papier, il est tellement chargé derrière que je ne veux pas faire de bêtises à le cacher. Ici. Et voilà. Page relativement simple sur ce coup-là. Mais vous voyez, avec l'autre, ben écoutez, ici, ça rappelle ça. Moi, j'aime bien. Voilà, vous voyez, ça fait, ben, ça fait pareil, en fait. Allez, ça, c'est bon. Et maintenant, par contre, derrière, donc ce côté, c'est bon. Donc ça, on va le garder, on va en avoir besoin. Je vais regarder en fonction des chutes que j'ai. Vous voyez, j'ai cette chute là. En fait, moi, j'avais prévu. Je voulais faire une pochette comme ça, en fait, avec un passant. Donc, il me faudrait du papier là, dans les chutes que j'ai. Mais si je vois que je n'ai pas les papiers pour faire de chaque côté, parce que là, vous voyez, j'aurai ça à la rigueur pour mettre les deux côtés. Mais ça fait trop rouge, quoi. Ça fait vraiment trop rouge. Donc, c'est pas grave. Je vais prendre une feuille. Je vais prendre une grande feuille. Ou alors, j'avais le vert. Allez, on va prendre le vert.
Je pense que j'en aurai largement assez. On va faire comme ça. Oui, j'en aurai largement assez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette bande. Déjà. Ici. Hop. Comme ça, on va enlever la bande. Comme ça, au moins, ça déjà, on est tranquille. Oh là. Vous avez vu comment j'ai coupé? J'ai pas coupé droit. J'aurais mieux fait de prendre le massicot. Donc, allez, on va passer au massicot. On va recouper tout ça. Ça va mieux. Hein. Quand il y a le massicot, ça va largement mieux. Là, j'ai combien de centimètres? J'ai 19. Allez, on va couper à 9. Ici, comme ceci. Donc, déjà, ça, c'est bon. On va venir coller. Donc, on va prendre des dimensions. À partir d'ici, là, on va prendre 9 cm ici. Et à partir d'ici, 9 cm. Comme ça, au moins, je sais qu'il faut que je mette de la colle. Vous voyez, comme ça. Déjà, vous allez me dire, mais Charlène, qu'est-ce que tu fais? Allez, on met le premier morceau. Je vais essayer de ne pas gaspiller trop de papier. Voilà. Ici, vous voyez, comme ceci. On va laisser prendre un petit peu. Hop. Et là, c'est pareil. Ma marque, elle est là. Je vais mettre de la colle comme ça. Hop. Le mieux, c'est que je vous laisse regarder. Comme ça, au moins, vous voyez ce que je fais. Là, j'ai mis de la colle. Hein. Là, c'est pareil. Je ne veux pas faire de gaspillage. Voilà. Parce que ça, ça pourra resservir en haut pour quelque chose. Voilà, ma raclette a disparu. Elle est sous la montagne de papier. Vous voyez, ici, comme ça. Donc là, je vais commencer à couper de ce côté. Parce que c'est là où on a tout simplement collé en premier. Alors moi, je coupe maintenant avant de mettre le papier rouge. Comme ça, au moins, je vois bien, bien, bien où c'est que mon papier va aller. Il va aller. C'est plus simple pour moi. Après... Et voilà, moi j'ai fait une pochette comme ça. Si ça vous plaît pas, vous faites une pochette dans un autre sens. Vraiment, c'est vraiment libre à vous. Hein. Comme ça, ici c'est bon. Et maintenant, ici, hop. Donc ça on garde. Puisque étant donné que en plus de ça, dans la collection, ben, je n'ai pas de chipboard, etc. Ben, je verrai à la fin s'il n'y a pas des petits éléments que je pourrais venir détourer. Ça, je verrai tout ça vraiment à la fin de tout le tuto. Là où je continue la petite décoration, etc. Voilà. Ben, c'est parfait. Donc là, hop, on va déjà commencer un petit peu à ancrer les bords. Ah, je croyais que j'avais pas fait les trous derrière. J'allais dire, vous allez voir que j'ai pas fait les trous. Si, si. Mais puisque mémoire de poisson rouge chez moi, hein, vous le savez, je vous le dis à chaque fois. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Allez, comme ça. Donc là, hop. Oh, il y a un gros matou dehors qui n'est pas le mien. Ben, ma femelle, elle est dedans. Et mon chien, il est dedans aussi. S'il rit mon chien, croyez-moi que le chat, ça ferait bien longtemps qu'il ne serait pas passé dans mon jardin. Ben monsieur, il s'est couché devant ma baie vitrée là. Tout va bien. Allez, là j'ai mis les petits trous. Et maintenant, hop, elle est un peu trop grande, vous voyez. Je vais prendre, je vais vous dire combien je vais prendre. Pour faire déborder un peu, je vais prendre 9 cm. Je vais prendre 9 cm. Hop. Ici, comme ceci. Parfait. Et bien là, par contre, ça a coupé. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Mais ça a coupé. Alors, hop, ici. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé. C'est bizarre. Je croyais que j'avais plus de batterie. Et ben non. Sur le coup, je me suis dit, oh là là, j'ai pas dû appuyer. Mais non, non, j'avais très bien appuyé. Donc là, il y a un peu des traces de colle. Mais je vais venir... voilà, je mettrai les petites décorations. Et puis encore une fois, je peux venir mettre une carte. Ben, je vais mettre une carte. Je vais mettre une carte, ça va cacher un peu les traces de colle. Allez, on va mettre ceci. Et si ceci, je le mettais en 3D. Il me reste un petit peu de la cartonnette, mais j'en ai pas assez de celle-ci. Donc je vais prendre deux petits morceaux. J'en ai vraiment partout.
Je sais pas si vous imaginez, mais j'en ai vraiment partout tout autour de moi. Vraiment, je m'étale. Hein. Pourtant, je re-range entre chaque tuto. Hein. Ne vous inquiétez pas, je laisse pas mon bazar comme ça. Bah, le chat, maintenant, il est sur ma table. Non, mais si, c'est pas une blague. Il s'est couché sur ma table. C'est peut-être le petit ami de ma femelle. Hein. Non, mais je vous jure. Tu vas voir, quand je vais sortir le chien, vous allez voir. Il va partir direct. Voilà, je l'ai mis en 3D, ici. Hop. Parfait. Je regarde devant moi à chaque fois parce qu'il y a des fois, je colle vraiment pas droit. Je me fie au retour d'écran et voilà, je colle pas droit. Donc là, vous voyez ici, pochette, grande pochette. Donc là, ce qu'on va faire, vu que j'ai des chutes, j'ai déjà un morceau ici tout à l'heure. Et eh bien, je vais en mettre encore, ben, je vais encore en faire deux. Je vais encore en faire deux, comme ça, je vais en mettre deux de chaque côté. Après, voilà, c'est des grandes pochettes, là. Donc, vous aurez pu faire des grands, grands, grands morceaux. Hein. Moi, là, en l'occurrence, est-ce que là, je vais... Ah, j'ai un peu moins de 11. Et bien, c'est pas grave, je vais m'en servir quand même. Pas de gaspillage. J'avais 10,8, donc bah, c'est pas grave. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 4 espaces photo. 1, 2, 3, 4. Mais je pense que je vais faire un Merry Christmas, comme ça. Un comme ça. Et on va prendre, je voudrais deux bleus en termes de celui-là derrière. Non, on va prendre ces deux. Hop, voilà, c'est pas grave. Hop, comme ça. Ici. Alors, encore une fois, les cartes que je mets, hein, vous pouvez mettre des photos à la place. Hein. Je vous le re-redis. Au moins. Hop, comme ça. Vous voyez, même si c'est un album, on ne met pas autant de photos que dans un album classique. Je pense qu'il y a moyen de mettre quand même pas mal de photos. Puisque ben, dans l'album, il y a plein de pages. Alors après, moi, je fais comme ça. Mais voilà, vous pouvez faire plein de rabats, etc. Vraiment, là, j'avais envie de faire quelque chose de simple. Hop. Je colle du côté texturé l'image. Et là, vous voyez, hop, ici, pochette, comme ça. Et là, j'ai une pochette également, ici, donc qui se raccorde. Hein. Et on peut mettre encore, hop, nos deux espaces photos, ici. Et voilà, hop. Et notre tuto, du coup, d'aujourd'hui, il est terminé. Allez, on va le mettre dans l'album. Je suis trop contente qu'il prenne forme comme ça. Alors après, par contre, les crochets, je les mettrai vraiment dans le bon sens. Il faut que, en fait, l'extérieur là, il soit à l'intérieur. Mais ça, de toute façon, je vous le montrerai lors de la présentation, comme je l'ai mis. Et voilà. Du coup, on a fait encore ces deux pages ici. Donc du coup, ben là, je vais vous retrouver d'ici 2 à 3 jours parce que là, il ne sera pas la suite pour continuer encore 2 pages. Voilà, et on se retrouvera pour une dernière page dans un autre tuto. En tout cas, j'espère que le tuto d'aujourd'hui vous aura plu. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour la suite. Et encore une fois, vous avez les liens en descriptif de vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.